Chez toi, je fais juste un petit tour avant que tu n'ailles au lit parce que l'heure est grave et je me dois de m'acquitter d'un devoir, de tirer la sonnette d'alarme parce que j'aimerais, au moment de rendre des comptes, avoir un sentiment de dédouanement moral, c'est-à-dire qu'à mon niveau j'aurais fait mon travail mais que je n'ai pas été écouté à un autre niveau. Je vais te demander de faire extrême attention le jour à venir. Extrême attention, parce que Sylvia Bongo et ses sicaires veulent t'éliminer. Ils veulent t'éliminer. Ils t'accusent de dresser les extrémistes tekés contre Noureddine Bongo, d'être réfractaires à la succession dynastique. Et tu es le prochain sur la liste. Je tiens à te le dire parce que j'ai beaucoup de respect pour toi, en dépit de nos différences d'opinion politique. Tu es le père d'une femme
qui a beaucoup eu de respect pour moi, c'est ta défunte fille, Firmin Ngari. Et elle me prenait pour son petit frère. Et je ne pouvais pas, même si ce n'était pas ça, je ne pouvais pas recevoir une telle information et ne pas venir te la donner. Fais attention. Sylvia Bongo et ses sicaires ont décidé de te refroidir. Ils ont mis en place un vaste plan pour éliminer tous ceux qui peuvent s'opposer à une succession dynastique. Ils savent qu'Ali Bongo vit 24 heures renouvelables, qu'il a un pied dans la tombe. Et ils savent que les extrémistes dont tu fais partie ne sont pas pour une succession dynastique, surtout en faveur de Norine Bongo. Souviens-toi, moi je n'étais pas avec vous à Libreville. Moi je suis à 6 000 km de toi. Sylvia Bongo et Ali Bongo qui retrouvent la lucidité quand il prend ses médicaments. Face à la dégaine actuelle, face à cette éventualité de perdre le pouvoir, avait convoqué une réunion avec les extrémistes Téké. Mission avait été donnée à Brice Oligui pour rassembler tous les extrémistes Téké afin de sécuriser le pouvoir qui risque d'échapper au clan Bongo. Tu as été contacté. Le général Honoré Eléric, qui est mort, le général Oléric qui est mort récemment, avait été contacté. L'autre, l'ancien ministre de Franceville, son nom va revenir tout à l'heure, ça m'a échappé. En tout cas, vous étiez trois à avoir été contacté. Je ne sais pas si vous êtes fait, si vous êtes passé le mot. Ouïba, voilà. C'est le ministre Jean-Pierre Ouïba. Vous avez été contacté parce que il fallait tout faire pour sécuriser le pouvoir. Je ne sais pas si vous êtes fait passer, vous êtes passé le mot, mais les réponses qui sont reparties chez les Bongo n'étaient pas positives. Vous aurez répondu, enfin un de vous aurait répondu en disant, c'est parce que le pouvoir est mené à la fin qu'Ali veut de nous, il veut nous voir, il n'a qu'à appeler ses amis étrangers. Ça a été très mal perçu. Ali Bongo, le zombie et Sylvia Bongo ont très mal perçu ça. Je comprends votre position. Parce que si les chaînes s'accouplent, ce n'est pas Oyen de Trépigné. Si les chaînes s'accouplent, ce n'est pas Oyen de Trépigné. Ce sont ces métèques-là qui tirent profit depuis le premier mandat. Ce n'est pas à vous maintenant, au moment où le pouvoir s'échappe. Ce n'est pas à vous qu'on a demandé de sécuriser le pouvoir. Je suis tout à fait d'accord avec votre position. Vous avez refusé de répondre à cet appel, mais ça vous vaut des inimitiés maintenant. Sylvia Bongo, personnellement, a décidé de régler votre cas. Le général Oléry avait des amis de santé, mais ce ne sont pas ces amis de santé qui l'ont envoyé au tombeau. C'était un plan, c'était déjà calculé. Il a commis l'erreur d'aller à l'hôpital où il est parti là. C'était une erreur. Le général Oléry a été poussé au tombeau. Je te le dis. Tu connais quelque chose dans mon Djoubi? Tu es libre de chercher. Mais Oléry a été poussé au tombeau par le clan de Sylvia Bongo. Le général Mbou, qui était à la documentation, il est mort aussi récemment. Il a été poussé au tombeau. Pourquoi? Parce que lui, il devait déjà même passer commandant en chef de la police. On l'a dérangé la nuit. Il était chez lui, avec sa famille. Pour dire qu'il faut que tu viennes urgemment. Et ils savent ce qu'ils lui ont donné là-bas. Après, c'est pour appeler sa famille pour dire que ça ne va pas venir. Le général Mbou a été poussé au tombeau. Je vous avais prévenu que la nuit de long couteau sera longue. Mais quand je parle, on ne m'écoute pas.
Moi, j'ai mal de voir que je préviens des gens, mais ils ne m'écoutent pas. Les gens ne prennent pas les dispositions. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que moi, comme je l'ai dit, j'aimerais avoir ce sentiment d'éloignement moral. C'est-à-dire qu'à mon niveau, je fais mon boulot de tirer la sonnette d'alarme. Parce que dans les services de renseignement, il y a des gens qui savent que je suis écouté. Et il y a des gens qui savent que je vous connais. Donc ils me disent, grand, parle à ces gens. Nous, on est gênés. Ces étrangers-là veulent finir tous nos vieux-là qui sont là. Voilà le plan qui a été mis en place. Moi, en tant qu'humain, je ne peux pas rester silencieux et apprendre demain que tu es mort, Idriss Ngari. Je serais peiné. Parce que tu es quelqu'un sans histoire. Je te connais pour t'avoir fréquenté à certaines occasions dans le cadre de mon boulot. Je suis arrivé chez toi en Goni. La dernière fois, c'était en 2003. Et j'ai vu comment tu nous as accueillis. Donc, je serais méchant, moi, d'apprendre qu'on veut te tuer. Et je ne viens pas te le dire. Je tenais absolument à te le dire. Sache une chose. Tu as des enfants, forcément, ou des petits-enfants dans la police, dans l'armée. Tu as forcément des parents à la douane, Idriss Ngari. Parce que la douane, il y a toujours des gens du Haut-Togo à des postes de responsabilité. Pose la question à ceux qui sont à la douane. Le clan Bongo a reçu un important stock d'équipement en provenance de la Russie. Il y a 2 semaines, il y a eu des armes. Il y a eu même des véhicules Iveco là, qu'on a présentés. Mais il y a eu du poison. On a demandé aux douaniers de ne pas ouvrir certains cartons, de ne pas chercher à regarder. Il y avait du poison là-dedans. Tu sais que la Russie, c'est un pays fort en matière de fabrication de poisons. Ce poison a été commandé par Sylvia Bongo, son mari qui est zombie, et leur fils, pour finir avec certaines personnes, dont toi, Idriss Ngari. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'on doit éliminer tous les vieux du village. Parce qu'un village sans vieillard, c'est un village qui manque de sagesse. Parce que les vieux sont dépositaires de la sagesse. Les vieux sont des défricheurs infatigables. Des sentiers mènent les jeunes vers la sagesse. Donc, je ne peux pas tolérer ça, qu'on vienne vous tuer parce que vous êtes réfractaire à la succession dynastique, parce que vous n'aimerez pas que ce soit Noureddine de Bongo qui parte, qui prenne le pouvoir. Je ne peux pas accepter ça. Même moi, je n'accepte pas que cette femme prenne le pouvoir. Je suis de ceux qui pensent que s'il prend le pouvoir, on doit la battre comme un chien et puis c'est terminé. Je suis de ceux qui pensent parce qu'on a tout souffert avec les Bongo. Donc, demande à tes petits-fils, tes enfants, je sais qui, mais forcément, vous les battez que vous avez des parents à la douane. Demandez, il y a un colis qui est venu de la Russie. Quand je vais le Gabonais applaudir la Russie, là, applaudir Poutine, je disais, mon Dieu, est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Je l'ai dit à une dame qui m'a appelé, maman Raymond. Je dis, tu sais pourquoi je suis contre la Russie? Parce que la Russie soutient Ali Bongo. Michael Moussa est parti là-bas. Avec l'autre couillon qui est ministre des Affaires étrangères. Ils sont partis en Russie pour signer des conventions. Et dans les conventions-là, il y a la fourniture d'équipements militaires, du poison, et ce poison est rentré là-bas pour finir avec certaines personnes, dont toi, Idriss Ngari. Alors, tu n'as jamais fait de mal. Même si tu étais mon pire ennemi, je ne peux pas venir. Avoir une information comme ça et me taire. Mais le maître d'œuvre de tout ça, c'est Oligui Brice. C'est Brice Oligui, le maître d'œuvre de tout ça. Brice Oligui que vous avez élevé, que vous avez nourri, parce qu'il a un côté Bateke, un côté de Ngoni. C'est votre propre fils, Brice Oligui, qui met en place ce plan. Il sait, est-ce qu'il t'a appelé pour te le dire, en tant que parent? Il ne t'a rien dit. Voilà Brice Oligui que vous avez élevé. Il se met avec des étrangers pour vouloir éliminer les enfants du pays. Voilà comment est le Gabon.
On veut éliminer pour faire plaisir à Noureddine Bongo. Parce que Bissoligui pense qu'il aura toujours son poste. Si Noureddine Bongo passe, il pense que dans ce nouvel environnement politique, il ne pourra pas tenir. Donc il est entré en combinaison avec ces gens pour éliminer les Gabonais. Je suis de ceux qui vont toujours s'élever pour dire non, pas ça. Donc, Firmin Idriss Ngari, j'ai le numéro de l'OIBA, mais je n'ai pas besoin d'appeler parce que forcément, il doit être informé. Prends ton téléphone, appelle l'OIBA, demande-lui de faire extrême attention parce que ce qui est en train de se passer est grave. Ce qu'ils sont en train de préparer est grave. On ne peut pas accepter qu'il y ait ce genre de situation. Ils veulent t'éliminer, je te le dis, des sources sûres, tes propres parents qui travaillent là-bas, qui ne peuvent pas t'approcher parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas ton numéro même. Ils disent, toi, tu es écouté par ces gens. Quand tu fais des vidéos, nous tous ici on te suit. Parle à ces gens-là. Parce qu'ils ont été touchés par la mort du général O'Leary. Il avait déjà ses maladies. Mais on aurait dû attendre qu'il meure de sa propre mort. Mais on pousse les gens vers le tombeau. Parce qu'il faut éliminer tout le monde. Vous ne vous posez pas des questions, tout ce monde-là qui meurt. Vous ne vous posez pas des questions. On a profité du coronavirus. Là maintenant, le coronavirus est fini. Ils vont utiliser d'autres voies pour vous éliminer. Si tu tombes malade, ne commets pas l'erreur d'aller à l'hôpital militaire. Si tu tombes malade, ils disent, Ngari, mets ton argent de côté pour louer ton avion pour que tu ailles te faire soigner à l'étranger. Si tu vas à l'hôpital militaire, tu ressortiras dans un brancard. Si tu vas à l'hôpital militaire, tu ressortiras dans un brancard. Cela est valable pour Jean-Pierre Ouyiba. Tu le lui dis. Mais je n'ai pas besoin de l'appeler. Moi, je n'ai plus besoin de parler aux gens en appelant au téléphone pour qu'on ne pense pas que j'ai des services que demande. Je n'ai rien à foutre. Je n'attends rien de toi, ni de lui. D'ailleurs, je n'ai jamais eu un centime de toi. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu te le dire parce que je n'aimerais pas voir ça sur ma conscience. Les valeurs morales que moi j'ai reçues en pays Guissir ne me permettent pas de m'asseoir, d'écouter la planification de la mort de quelqu'un et de rester silencieux. Je n'accepte pas ça. Même si c'est mon pire ennemi. Mais je tiens à te le dire. Fais attention. C'est votre propre oligarque que vous avez fabriqué. Comme il est devenu colonel, alors il croit être arrivé au bout du monde. Donc, il planifie ça avec les métèques. Il planifie ça avec les métèques qui sont là, qui veulent prendre possession du Gabon. Donc, moi, je tenais à te le dire. C'est ça, malheureusement, ça fait mal de savoir que c'est quelqu'un qu'on a élevé. Qui se met avec les étrangers pour vouloir tuer les enfants du village, ça fait très mal. Mais c'est ça la réalité. Et je dis, quand j'ai vu déjà les gens, tes petits-enfants qui commençaient à s'agiter sur la toile ce soir, j'ai rigolé. Je dis, mais ils ne savent pas qu'est-ce que moi j'ai comme information. Vous n'imaginez pas, tout le monde aujourd'hui vient vers moi pour me donner des informations. Pour attirer la sonnette d'alarme, parce que c'est que tout le monde m'écoute. Même ces zombies d'Ali Bongo, quand il retrouve la lucidité, il va sur Internet et il regarde les trucs. Donc, je tenais à te le dire. Les morts en cascade, des officiers là, qui partent là, ce n'est pas un hasard. Ils veulent éliminer toute une génération. Il y a même un autre général là, lui là, je l'appellerai, puisque apparemment, j'ai déjà lancé une alerte une fois. Il a mal pris ça, parce qu'il est bête, et s'il ne fait pas attention, lui, il suivra. Mais le prochain sur la liste, c'est toi, Firmin Idriss Ngari. Et je tenais à te le dire. Et le metteur en scène, le maître d'œuvre de ces plans machiavéliques, de ces plans funambulesques, c'est Brice Oligui Nguema. Donc, tu as un côté de chez toi, Ngoni, ton parent, et un côté d'Al Walentem. C'est lui, à cause de son appétence pour le pouvoir, celui qui veut éliminer. C'est pourquoi, Firmin Idriss Ngari, il faut parfois réfléchir avant de rendre service à certaines personnes. Parce que c'est souvent les souris que nous avons élevées dans le sac d'argile qui viennent nous bouffer la plante du pied. C'est le cas d'Oligui aujourd'hui. Il sait ça. Si Oligui était quelqu'un de sérieux, celui qui allait même vous dire non, ou bien dire à ce gens, non, ne faites pas ça. C'est pas bon. Mais comme il est corrompu jusqu'à moelle épinière, c'est lui qui planifie ça avec les gens. La fameuse réunion à laquelle vous étiez appelé, vous êtes convoqué là, c'est Oligui Nguema. Quand l'un de vous a dit, maintenant, comme le pouvoir est à la fesse, maintenant qu'Ali Bongo veut nous voir, pour sécuriser son pouvoir, il n'a qu'à appeler ses étrangers. Mais ça, Oligui Nguema n'était pas obligé d'aller répéter ça. Il est allé répéter ça parce que, naturellement,
Il veut vous mettre à mal avec Sylvia Bongo. On sait que cette femme-là, c'est une sorcière. Celle qui a les yeux comme les yeux écarquillés, comme quelqu'un qui a vu un fantôme en Dendera. C'est une sorcière. Et si Origine Guema est allé répéter ça, mot à mot, c'est parce qu'il voulait vous mettre dans les problèmes. Donc, faites attention. À partir de ce soir-là, même quand tu manges, même ton personnel de la maison, quand ton personnel de la maison prépare, tu demandes de goûter. D'abord, même si ce sont tes cuisiniers depuis, même si c'est ta femme, tu ne manges plus comme ça sans que ta femme ne goûte. On aborde un tournant capital de l'histoire de notre pays. On ne blague pas là. 2023, là, c'est mauvais. C'est un mauvais tournant. Beaucoup vont tomber. De mon côté, je me bats pour ne pas tomber. Et j'essaye aussi de faire l'économie de vos fragiles vies, vous qui êtes au Gabon, en vous lançant des alertes, en vous disant, faites attention, parce que ce sont des gens qui sont nos parents, qu'on utilise pour nous atteindre. Donc, prends tes dispositions et tu apprendras aussi que les gens à qui on rend service, qu'on élève, parce que c'est ce que tu as fait comme travail en Goni, où tu as envoyé des enfants aller apprendre à l'étranger des étudiants. Quand ils revenaient, ils avaient déjà des postes budgétaires. Je sais ce que tu as fait en Goni, tout le travail que tu as fait en Goni. Tout ça, beaucoup oublient aujourd'hui sur la vie des ennemis. Et ce sont eux qui participent maintenant pour te tuer. Mais c'est ça, l'homme est comme ça, mon cher père Idriss Ngali. C'est comme ça la méchanceté de l'homme. Des hommes ne date pas d'aujourd'hui. Parce que je me souviens d'une histoire que m'avait raconté mon grand-père le soir au clair de lune autour du feu. Il m'avait dit qu'un jour, dans un village, il y avait un homme qui aimait rendre service assez semblable, comme toi tu le faisais en Goni, qui prenait soin de tout le monde, qui voulait que chacun ait un sourire de joie et non un rictus de peine. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors, voilà un jour, arrive la disette. La vie était devenue difficile dans le village parce que les récoltes avaient pris un sérieux coup. Et ils avaient du mal à trouver, ses voisins, lui, ils avaient du mal à trouver de la nourriture. Et c'est comme ça que Mumbina avait décidé, parce que c'était un homme qui voulait nourrir sa famille en tant qu'enfant. Né et élevé à la campagne. Donc Mumbina avait décidé d'aller en brousse, chercher de quoi se mettre sur la dent avec sa famille et probablement aussi avec les voisins. Donc Mumbina est allé en brousse. Chemin faisant, il a entendu de bruit dans un trou. Et dans ce trou-là, il y avait donc des êtres qui étaient tombés là-dedans. Et Mumbina a lorgné. Il a vu qu'il y avait un homme là à l'intérieur. Il a vu qu'il y avait un lion à l'intérieur. Il a vu qu'il y avait un singe à l'intérieur. Et il a vu qu'il y avait un serpent à l'intérieur. Mumbina a dit, ah non, je ne veux pas les singes. Ces êtres-là, ils méritent la vie. Et c'est comme ça qu'il a coupé une grande liane. Il a attaché un bout à un arbre. Et l'autre bout, il a jeté. Et le singe est trop bien à saisir cette opportunité pour sortir. Le singe est sorti. Et quand il est sorti, il a dit à Mumbina, merci beaucoup. Et quand le singe sort, il dit, attention, à l'intérieur là, il y a un homme. Mais l'homme là, il a un mauvais cœur.
On l'entendait dire des choses pas bien sur les humains. On sent qu'il a mauvais cœur. Faut pas le sortir. Mbina dit, mais pourquoi tu veux pas que je le sorte? Moi, je t'ai sauvé, il faut que je le sorte. Et c'est comme ça qu'il a balancé encore la corde. Et cette fois-ci, le serpent est sorti. Le serpent a dit, merci beaucoup, mais là, à l'intérieur, il y a un homme, il est mauvais. Il faut qu'il le crève à l'intérieur. Mbina a dit, non, je sors tout le monde. Le serpent a dit, ok. Après, Mbina a lancé encore la corde. Cette fois-ci, la panthère, le lion qui était à l'intérieur est sorti. Il a encore lancé. L'homme est sorti. Mais le lion lui avait dit, ah, à l'intérieur, là, il reste un homme là, il est méchant, il ne faut pas le faire sortir. Il a de mauvaises idées. Mais Mbina n'a pas écouté. Il a sauvé l'homme. Et chacun d'eux a dit à Mbina, je te rendrai service parce que tu m'as sauvé la vie. Que ce soit le serpent, que ce soit l'homme, que ce soit le lion ou le singe, tout le monde a juré d'être redevable vis-à-vis de Mbina. Et voilà qu'une autre fois, Mbina va en brousse. Il croise le singe. Le singe dit, mais c'est pas toi qui m'as sauvé la vie la fois dernière. Il dit, c'est moi, Mbina. Il dit, ah Mbina, tu veux quoi? Il dit, au village là-bas, c'est dur, il y a la galère, il n'y a plus rien à manger. Il dit, oh, attends. C'est comme ça que le singe a meuté tous ses parents pour dire, écoutez, il y a un safoutier là. Alors, on va cueillir tous les fruits là, vous faites tomber pour que Mbina ait de quoi manger avec sa famille. Le singe est monté avec ses amis, ils ont cueilli tous les fruits. Et Mbina avait l'embarras du choix même. Il a amené à aller nourrir sa famille et les voisins. Une autre fois, Mbina est parti en brousse pour chercher du gibier qui se faisait rare. Et il a croisé le lion. Mbina a dit, mais c'est pas toi qui m'avais sauvé la vie la fois dernière. Mbina a dit, si c'est moi, Mbina. Il dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je cherche, je vais à la chasse là. Il dit, non, attends, ne te casse pas. Tout de suite, le lion est allé, il a attrapé une antilope, il a dit, tiens, c'est pour toi, parce que tu m'as sauvé la vie. Et c'est comme ça que Mbina est parti nourrir sa famille et ses voisins. Et maintenant, un jour, Mbina, la galère était forte. Mbina cherche à savoir ce qu'était devenu l'homme qu'il avait sauvé parce qu'il avait appris que l'homme-là était devenu maintenant le gardien du roi. Et c'était le bras droit du roi. Donc c'est comme ça que Mbina est parti. Il a dit, je m'en vais le voir parce que la fois je l'ai sauvé, c'était que cette fois-ci, il va me sauver la vie. Donc quand Mbina arrive, il le trouve au portail. Il lui dit, bonjour le monsieur, le Toazman. Il dit, mais c'est moi qui t'avais sauvé la vie la fois dernière. Il dit, et quoi encore? Quoi, tu veux quoi? Oh, je veux voir le roi parce que je suis en train de galérer avec mes enfants. Est-ce qu'il peut me trouver quelque chose? Oh, le roi ne le sait pas. Il dit, mais comment le roi ne le sait pas? Comment tu sais qu'il ne le sait pas? Va d'abord dire que c'est moi, Mbina. Je meurs de faim avec mes enfants. Quand le type est rentré voir le roi là-bas, il dit, Sa Majesté, c'est grave. Il y a un monsieur là, c'est un criminel. Quand il arrive dans un village, il fait les crimes rituels, il tue les enfants des gens. Il a aussi des pratiques de sorcellerie. Il s'appelle Mbina, il est là, il veut pour que coûte entrer ici. Vraiment, Excellence, il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le ligote. Parce que c'est un danger public. Et comme le roi l'écoutait beaucoup, c'est comme ça qu'il envoie ses aides-camp aller maîtriser Mbina. Et on l'a amené à la montagne, on l'a attaché là-bas. On devait le tuer après 3 jours. Et Mbina était là, il ne savait pas de quoi il était accusé. On l'avait déjà attaché, il était comme ça. Il attendait les 3 jours pour être guillotiné. Mbina était en train de réfléchir, il dit, wow, le type que j'ai sauvé, c'est maintenant lui qui va maintenant me livrer. Donc les humains sont comme ça. Et pendant qu'il était là, il y a un serpent qui vient passer parce que c'était dans l'air. Le serpent dit, oh, c'est pas toi qui m'avais sauvé la vie la fin de l'année. C'est comme ça que Mbina dit, oui, c'est moi, Mbina. Il dit, oh, mais c'est quoi? Oh non, on m'a attaché, on m'accuse d'être sorcier, criminel, trafiquant d'organes humains, le monsieur qui était avec vous. Le serpent dit, moi, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit de ne pas sauver le type là. Même si c'est votre espèce, il ne fallait pas le sauver, il a un mauvais cœur. Je t'avais dit ça, non? Maintenant, moi, je n'ai pas de bras pour te détacher là où tu es attaché là. Maintenant, comme tu m'as rendu service, je vais te sauver la vie. Je veux faire un truc.
Tu vois les feuilles que tu vois là? Il dit oui. Bon, la feuille qui est là, la feuille là sort. Les gens captent. Les gens sont mordus par les serpents. Moi, je m'en vais au village chez le roi là-bas. Comme ces enfants jouent toujours à la cour là, je vais aller mordre un des enfants du roi. Et maintenant, toi, quand tu vas rester là, tu vas te mettre à chanter. À chaque fois que tu verras quelqu'un passer, tu diras, chez moi, les gens ne meurent pas de morsures de serpent. Chez moi, on soigne les morsures de serpent. Tu comprends? Tu vas toujours répéter ça. Et quand quelqu'un va passer par là, forcément, il va t'écouter, il va arriver au village. Quand il apprendra qu'il y a quelqu'un qui a été mordu par le serpent, ils vont penser à toi. Tu as compris, mon Bina? Bina a dit oui. Le serpent a foncé tout droit chez le roi de Nzambi là-bas. Et il est allé mordre, donc, un enfant. Et c'est comme ça que, après, une maman qui venait de la brousse avec son panier passe par là et trouve mon Bina qui est en train de dire, chez moi, on ne meurt pas de morsures de serpent. Chez moi, on ne meurt pas de morsures de serpent. Chez moi, on ne meurt pas. Et quand la maman arrive au village là-bas, elle dit, oh, il y a l'enfant du roi qui est vraiment mourant. Il a été mordu par un serpent qui est venu là et qui a disparu. Elle a dit, mais j'ai trouvé un homme qui est là-bas qui chantait que chez lui, on ne meurt pas. On ne meurt pas de morsures de serpent. Allez le prendre. Et c'est comme ça qu'on a détaché mon Bina. Et Mumbina, puisque le serpent a dit que c'est la feuille là, Mumbina a accueilli la feuille, il est allé appliquer, et c'est comme ça que l'enfant qui était mourant a retrouvé ses automatismes, sauvant ainsi la vie à Mumbina. Et Mumbina a eu maintenant l'occasion d'être en face du roi, puisqu'il avait sauvé son enfant. Et puis c'est comme ça que le roi dit, mais pourquoi on me dit que tu es un tueur, tu es un sorcier, tu fais... Mumbina a dit, mais mon roi, c'est compliqué. Le type là qui est venu vous dire ça là. Mais il est mauvais. Je l'ai sauvé un jour, il était dans un trou où il y avait un serpent, il y avait le lion, il y avait le singe. Mais quand je l'ai sauvé, on m'avait prévenu qu'il était mauvais. Moi, je l'ai quand même sauvé. Mais regardez comment il me fait. C'est comme ça que le roi découvre que finalement, c'était pas mon Bina qui était mauvais, c'était plutôt son type. Et c'est comme ça que il y a eu ce qu'on appelle le retour de la manivelle. Donc c'est maintenant lui qui a été condamné à mort. Il a été tué parce qu'il était mauvais. Donc il éloignait le roi des bons citoyens qui pouvaient être utiles à l'exercice de ses fonctions. Et il a payé un mauvais tribut. Il a payé un lourd tribut justement parce qu'il était mauvais. Alors lorsque les gens sont mauvais, mon général, puisque tu es général, il dit Singali, quand les gens sont mauvais, il faut faire comme... Hein? C'est comme ça. Quand les gens sont mauvais, quand les gens veulent te tuer, là, il faut être comme le lion. Qui tue un lion en mange et qui blesse le lion est mangé. Qui tue un lion en mange et qui blesse le lion est mangé. Quand tu sais que quelqu'un veut te tuer, alors il faut anticiper. La meilleure forme de protection, c'est l'attaque. Quand tu sais que l'autre va faire ça, toi tu anticipes. Alors, ce pouvoir devient dangereux. Comme il devient dangereux, il est grand temps d'être ensemble avec d'autres citoyens pour dire non, ça devient un danger permanent pour nous. Il faut qu'on y mette un terme parce que sinon nous allons tous disparaître. C'est la seule condition pour survivre. Si tu m'as écouté, c'est bien. Je n'ai aucun intérêt à venir te dire n'importe quoi. Je ne gagne rien et je n'attends rien de toi juste parce que je suis au service du peuple gabonais, et celui qui est au service du peuple est au service de Dieu. Il se doit donc d'accomplir son devoir de vérité vis-à-vis du peuple. C'est ce que je veux te dire. Prends soin de toi. Ne joue pas avec ce pouvoir. Il devient très dangereux parce qu'à tout moment, il peut t'affecter au tombeau comme il a affecté les autres. Si tu vois le diable à la cour du voisin, il finit par venir lancer à ta cour. Si tu vois le diable danser à la cour du voisin, il finit par arriver à ta cour. C'est ce que je voulais te dire. Merci de m'avoir reçu chez toi. Et surtout, je te souhaite longue vie. Bonsoir. Mm-hmm.
Thank you.
Nangao, Kundi Nangao, Kundi Nangao.